la zone la plus vaste. Donc les bateaux vont se répartir sur cette zone-là aujourd'hui, compte tenu du coefficient de marée. Mon métier, c'est goémonier embarqué. Donc je récolte des algues à partir d'un navire, un goémonier. Alors ces algues-là, c'est Laminaria digitata. Ce sont des laminaires, des longues algues. Le champ d'algues, c'est l'archipel de Molène. C'est-à-dire, ça va de Béniguette à Ouessant. Bon, les algues poussent entre le 0 Descartes et moins 3. Donc ça limite les zones. Et le plateau de Molène se trouve à cette hauteur-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de digitata sur le plateau de Molène. La récolte se fait donc avec un crochet. On tourne dans un sens au fond pour enrouler les algues, puisque c'est des laminaires, hein, donc c'est des longues algues. Bon, c'est un peu le principe de manger des spaghettis. Hein. Et donc on enroule les algues sur le fond et ensuite on les remonte à bord et on déroule dans l'autre sens pour qu'elles tombent dans le bateau. C'est pas plus dur que ça. Alors l'avantage, c'est que notre crochet n'enroule que les algues qui sont au-delà de 50 cm, c'est-à-dire que les jeunes plants qui sont sur le fond déjà pour l'année prochaine font moins de 50 cm et donc on ne les pêche pas, on ne les récolte pas. Et donc on a mieux en fait, notre crochet est un engin sélectif qui permet la régénérescence de la ressource. C'est pour ça qu'on retrouve d'une année sur l'autre, on retrouve notre quantité d'algues. On n'a pas de soucis de ce côté-là. Alors la collecte d'algues est une activité traditionnelle sur le littoral, pas uniquement finissaire, mais c'est une activité traditionnelle, historique, qui était à la fois le fait de pêcheurs en mer, avec des bateaux, et également le fait de beaucoup de personnes qui allaient ramasser les algues de rive sur la plage. Donc il y avait les deux activités. Ça, c'est le four à Goémon, quoi. Sur toute la côte, vous trouvez des fours à Goémon de ce genre-là. Dans le temps, avant que les usines n'existent, les gens récoltaient le Goémon. Le déchargement se faisait donc du bateau dans des charrettes. Et c'était surtout le travail des femmes de s'occuper des algues une fois débarquées et les mettre à sécher. Et qu'elle soit prête pour le brûlage par la suite. Le goémon brûlé fait un espèce de magma qu'il faut remuer. Alors ici, c'est un morceau de bloc. C'est le magma donc du brûlage du goémon. Cette soude là servait comme engrais. Et d'autre part aussi, ça servait dans l'industrie du verre. Quoi. Mais les blocs qui ressortaient faisaient à peu près la taille de la caisse. On fera le point à 11h, Julien. Ça va bien ? Oui, ça va. Et vous ? Bonjour. Derrière nous, 50 ans d'exploitation d'algues. L'usine a fêté ses 50 ans en octobre dernier. Donc, en sont passées des milliers de tonnes dans l'usine au cours de ces 50 dernières années. L'algue qu'on récolte, c'est la Laminaria digitata. C'est une algue endémique de Bretagne. Au total, en Bretagne, on récolte entre 55 et 60 000 tonnes par an. Et en France, il y a un peu plus de 80 entreprises qui travaillent l'algue, de la récolte jusqu'à la commercialisation. Et ça représente, bon an mal an, 1500 à 1600 emplois, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 millions d'euros. Sur la table ici, vous avez les différentes phases du procédé de fabrication.
Donc on part d'une algue que l'on va tremper dans une solution de carbonate pour obtenir une pâte très visqueuse, qui est une solution d'alginate qui contient la cellulose de l'algue. On va la filtrer pour séparer la cellulose, obtenir l'acide alginique, qui est la fibre de l'algue, qui sera ensuite convertie en alginate de sodium, cette poudre blanche. La cellulose, elle, sera épandue sur les champs. Les principales applications donc, sont tout d'abord alimentaires. Donc, c'est un épaississant, ça permet de texturer un liquide. Donc, une des applications, c'est la glace, où l'alginate est utilisée pour son onctuosité. Sans alginate, on aurait quelque chose de beaucoup plus liquide. Une autre application en pharmaceutique, c'est ses propriétés coagulantes, donc on les met dans les pansements. Une autre application pharmaceutique que l'on peut citer, ce sont les empreintes dentaires, et l'alginate sert d'empreinte de moulage. Une autre application que l'on peut citer en pharmaceutique, donc là c'est en tant que principe actif médicamenteux, c'est les pansements gastriques. L'alginate, c'est la fibre de l'algue. L'alginate, en fait, dans l'algue, donne la flexibilité et la robustesse de l'algue. Plus l'algue va pousser dans un milieu qu'avec des forts courants et de la forte houle, plus la teneur en alginate de l'algue sera importante. Ici, nous sommes sur la Pointe des Renards, donc c'est le siège du parc marin qui est basé juste au-dessus, donc sur la commune du Conquet, qu'on voit en arrière-plan. Donc ensuite, on arrive sur le terrain Parc Marin d'Iroise. Donc voilà le petit phare de Carmorvan avec le nord du parc qui se trouve derrière la pointe. Donc ça se trouve à une dizaine de milles d'ici. Et vous avez en face l'archipel de Molène avec l'île d'Ouessant qu'on distingue à peine tout au fond là-bas et l'ensemble des îles de l'archipel. Donc ensuite, vous partez vers le sud jusqu'à Pointe du Raz et l'île de Saint pour la limite sud du parc. Et 12 000 au-delà de Ouessant pour la limite ouest du parc. Le sujet des algues est un bon sujet pour expliquer comment fonctionne ou à quoi sert un parc naturel marin, comme le parc naturel marin d'Iroise. Un parc naturel marin a, pour dire les choses rapidement, trois missions principales. Bien connaître le milieu sur lequel il travaille, son périmètre, donc améliorer en permanence sa connaissance, et profiter de cette connaissance pour à la fois préserver une qualité d'environnement qui est exceptionnelle et en même temps permettre de façon équilibrée du développement, puisque ce sont des territoires où des hommes et des femmes vivent et donc ont besoin de travailler, d'emploi, etc. Et les algues ont d'abord fait l'objet, dans un premier temps, d'une étude pour connaître la biomasse. Et donc c'est un travail qui a été mené en partenariat avec les scientifiques, IFREMER, etc. Et puis nous avons eu une deuxième étude autour de l'impact de la collecte elle-même. Est-ce que cela bouleversait les fonds? Est-ce que cela abîmait le substrat? Est-ce que cela également était une nuisance par rapport à la faune qui vit ou la flore qui vit dans ce milieu d'algues? Puisque c'est réellement le rôle du parc, mettre autour de la table à la fois des scientifiques, des associations qui protègent l'environnement, et puis des professionnels, et des professionnels de nature différente, puisque entre goémoniers qui collectent de l'algue, industriels qui la transforment, et pêcheurs professionnels qui disent éventuellement attention, les champs d'algues sont des nourrisseries, des lieux où la faune se développe, etc., il peut y avoir un conflit d'intérêts, en tous les cas, débat. Le parc marin, si au début on l'a vu arriver avec méfiance, on a vite pris conscience que c'était un atout. Et compte tenu de notre façon de gérer notre ressource, on n'avait pas de soucis de ce côté-là. Donc le parc marin d'Iroise, pour nous industriels, apporte plusieurs choses. Il permet de valider les travaux qui sont effectués depuis plus de 50 ans sur la gestion de l'algue, l'activité algue. Peut présenter des chiffres de récolte qui sont identiques en 2012 qu'ils étaient dans les années 80. Donc cela montre à quel point la récolte a été gérée de manière pérenne. L'avantage maintenant qu'on trouve au parc marin, avec le recul, c'est que quand il faut communiquer sur la profession de goémonier ou quand il y a des conflits
des conflits, ça arrive à l'usage, hein, ça peut arriver. On n'est plus en première ligne, et c'est plus nous qui communiquons sur cette ressource. Ça se fait par l'intermédiaire du parc marin. Et au parc marin, au conseil de gestion, toutes les sensibilités étant représentées, les discussions peuvent se faire autour de cette table et elles se font, bien. C'est un peu une caractéristique d'un conseil de gestion. Personne n'est majoritaire tout seul. Personne ne peut imposer sa loi aux autres. Mais tout l'intérêt du parc, c'est justement d'avoir ce conseil de gestion équilibré entre différents centres d'intérêt ou représentants d'intérêts divers et qui doivent obligatoirement entre eux s'écouter, dialoguer, construire du consensus pour prendre des décisions, ou en tout cas proposer des décisions, puisque le parc lui-même ne prend pas de décisions, ne crée pas de réglementation, il donne des avis, il impulse des actions, et c'est souvent sur la base, alors pas forcément de l'unanimité, mais en tout cas de consensus que nous essayons de construire. Les élus, là-dedans, ont une place qui n'est pas prépondérante, et c'est peut-être un peu exceptionnel. Les élus ont l'habitude de présider des assemblées dans lesquelles ils ont des majorités. Là, les élus ne sont pas majoritaires. Ça fait 15 ans qu'on cible une nouvelle algue. On n'est pas les premiers, hein. Les Norvégiens l'exploitent depuis la nuit des temps, on va dire. Industriellement, en tous les cas, ils l'exploitent très fortement. Et donc, on est parti de leur exemple, hein, il y a 15 ans, et puis on a adapté l'outil. C'est une laminaire aussi, mais qui n'est pas tout à fait la même. Elle se trouve un peu plus profonde. Et puis surtout, elle est en beaucoup plus grande quantité, hein, compte tenu de sa zone de répartition, quoi. Donc, au sein du parc marin, on a fait une étude d'impact, hein, de notre outil. Les professionnels en mer collectent avec ce que l'on appelle un peigne qui vient couper, un peu comme faucher des plantations sur un territoire agricole. Mais cela se passe en mer et nous voulions savoir quel était l'impact de cette collecte. Le parc marin a associé les différents centres scientifiques, donc Ifremer, Roscoff, Concarneau, pour pouvoir mettre en place un protocole de suivi d'étude de l'impact du peigne sur le fond, donc à la fois sur le milieu, sur la population de la minière et sur la faune associée, la flore associée. Une étude scientifique qui valide les pratiques qui ont été mises en place par l'Ifremer depuis une dizaine d'années, à savoir la définition de zones de récolte avec un quota qui représente au maximum 20% de la ressource disponible. Lorsque ces 20% sont atteints, la zone de récolte est fermée pour 5 ans et les gommoniers doivent récolter sur une autre zone. Et on s'est donné les moyens de contrôler les bateaux, puisque tous les bateaux qui font cette pêche-là sont équipés du RecoPesca, c'est-à-dire qu'ils ont une donnée GPS qui est envoyée en permanence à Ifremer, entre autres. Hein. Donc les bateaux sont suivis, on peut dire, à la trace en permanence. Dès qu'on met le contact sur le bateau, le RecoPesca se met en route. Donc on va passer en phase d'exploitation industrielle. Et du coup, ça crée des emplois, hein, puisque les usines, notamment Danisco à Landerneau, hein, vient de créer 20 emplois rien que parce qu'on va exploiter cette algue-là. Et puis les bateaux, pareil chez nous, on a fait de nouveaux bateaux pour pouvoir exploiter cette algue-là. En tant qu'industriel, de toute façon, s'il n'y a plus d'algues, il n'y a plus d'activité non plus. Donc nous, on milite pour une récolte pérenne de l'algue, puisque sans matière première, il n'y a plus d'activité. Enfin, pourquoi j'aime le métier ? D'abord parce que je suis un marin et que c'est un métier de marin avant tout. Ensuite,
Et ben parce que ça aussi, c'est quand même particulier comme pêche. Il faut tutoyer les cailloux tous les jours, faire attention, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sous la quille. On est dans des zones parfois où il y a beaucoup de courant. Donc c'est un métier où il y a beaucoup d'adrénaline. Donc ça fait partie de son charme, même si des fois on aimerait qu'il y en ait un peu moins d'adrénaline. Mais globalement, ça fait partie du charme du métier. Et d'autre part, c'est un métier qui nourrit bien son homme. Donc c'est un métier qui marche, c'est une filière qui est viable. Quoi. Elle est, comme je vous disais tout à l'heure, elle est bien gérée. Et donc on travaille en filière depuis toujours. Et du coup, les bateaux sont rentables. Quoi. Alors je ne dis pas que c'est une mine d'or, parce que loin de là. Mais en tous les cas, on arrive à faire vivre une famille. Donc à la Nile d'Utz, les bateaux qui ont été pêchés dans l'archipel de Molène ou sur les côtes du Nord Finistère viennent débarquer leurs produits de pêche donc au port de la Nile d'Utz. Et comme il n'y a pas beaucoup de ports en eau profonde dans la région, le port de la Nile d'Utz s'y prête. Et donc une grande majorité d'algues est débarquée, hein, disons 35 000 tonnes à l'année, ce qui veut dire les 3, 4, 5e de la production nationale débarquée au port de la Nile d'Utz, ce qui fait que le port est, au niveau européen, un des plus grands ports, même le plus grand port de débarquement des algues laminaires. Hein. Quand on voit ces algues qui sont débarquées, hein, comme on voit là derrière moi, on se demande qu'est-ce que c'est déjà, qu'est-ce que c'est ce produit, qu'est-ce que c'est des algues. Et d'où l'idée est venue de mettre en place une maison de l'algue. Hein, quoi. La commune est partenaire du parc marin d'Iroise parce que le parc a également travaillé pour la mise en place de la maison de l'algue, où tout est expliqué, hein, l'évolution, des outils d'autrefois aujourd'hui, la transformation également. Il y a tout pour satisfaire les gens de passage, que ce soit les visiteurs ou les gens aussi du pays, hein, qui veulent se renseigner, voir les différentes évolutions. C'est bon, vous trouvez ça bon? Oui, c'est bon. Je fais une visite guidée de la maison de l'algue pour expliquer un peu ce qu'on en fait, toutes les algues, d'où ça vient, comment c'est traité. On va également aussi sur l'estran pour analyser tous les différents types d'algues. Montrer le four à Gouémont à la Nile d'Utz. Et donc là, il y a une petite dégustation qui est proposée à la fin aux visiteurs pour montrer un peu tous les produits qu'on en fait et pour déguster. Ah oui, c'est très intéressant. C'est très bon. C'est très bien. C'est sucré. Mat, oui. On l'a dégusté bien fraîche comme ça pour avoir un peu de la saveur des algues.